enfants frais. Voilà notre plus grande écuelle. Le vin est bon. Buvez, maître Cadus. Vous parlerez après. Vous saurez, mes chers enfants, que le jeune Perdican, fils de notre seigneur, vient d'atteindre sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il revient aujourd'hui même au château, la bouche pleine de façons de parler si belle et si fleurie, on ne sait que lui répondre les trois quarts du temps. Toute sa gracieuse personne est en livre d'or, et il ne voit pas un brin d'air qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin. Et quand il fait du beau temps qu'il peut, il vous explique tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands comme la porte que voilà, de le voir dérouler l'un des parchemins qu'il a colorié d'encre de toutes les couleurs, de ses propres mains, sans en rien dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin qu'il a la tête. Et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Vous sentez que cela ne fait qu'être honneur à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Allons, je ne serais pas fâché de boire encore une gorgée. Buvez, maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdican, et il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire autant. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme? Ma foi, l'écuelle est vide, je ne croyais pas avoir tout bu. Adieu, j'ai préparé, tout en marchant sur le chemin, deux ou trois phrases sans prétention qui plairont à mon seigneur. Je vais tirer la cloche. Durement cahoté sur son âne essoufflé, Dame Pluche gravit la colline. Son écuyer transi gourdit à tour de bras le pauvre animal qui hoche la tête, un chardon entre les dents. Ses jambes maigres trépignent de colère, tandis que de ses doigts osseux, elle égratine son chapelet. Bonjour donc, Dame Pluche, vous arrivez comme la vierge avec le jouvent qui fait jaunir les bois. Un verre d'eau, canaille que vous êtes. Un verre d'eau et un peu de vinaigre. Mais d'où venez-vous, Pluche mamie? Vos beaux cheveux sont couverts de poussière, voilà un tout fait de gâté. Et votre vénérable robe est repoussée jusqu'à votre chaste jarretière. Sachez, maintenant, je m'appelle Camille, la nièce de votre maître. Arrive aujourd'hui au château. Elle a quitté le couvent, sur l'ordre exprès de monseigneur, pour venir en son temps et lieu recueillir, comme faire se voit, le bon bien qu'elle a fait. Son éducation, Dieu merci, est terminée. Et ceux qui la verront auront la joie de respirer une glorieuse fleur de sagesse et de dévotion. Jamais il n'y a rien de si pur, de si ange, de si agneau et de si colon que cette chère nonna, que le Seigneur Dieu du ciel l'a conduit. Ainsi soit-il. Mais défripez-vous, honnête pluche. Et quand vous prierez Dieu, demandez de la pluie. Nos blés sont aussi secs que vos tibias. Vous m'avez apporté de l'eau dans une écuelle qui sent la cuisine. Vous êtes des buteurs et des maîtres. Attendons que le baron nous fasse appeler et mettons nos habits du dimanche. Ou je me trompe fort, ou quelques joyeuses bombances est dans l'air aujourd'hui. Maître Bridelle, vous êtes mon ami. Je vous présente Maître Blasius, curé de la paroisse et gouverneur de mon fils. Mon fils a eu hier, à midi, 8 minutes, 21 ans compté. Il est docteur à 4 boules blanches. Maître Blasius, je vous présente Maître Bridelle, curé de la paroisse, c'est mon ami. À 4 boules blanches, littérature, botanique, droit romain, troisième. Quelle est votre chambre, cher Blasius? Préparez ce désordre! Mon fils ne va pas tarder à apparaître. Revenez au coup de la cloche, hein. Monseigneur, vous dirais-je m'avancer? Le gouverneur de votre fils sent le vin à pleine bouche. Cela est impossible. Je vous assure, monsieur, il m'a parlé de fort près tout à l'heure. Il sentait le vin à faire peur. Mais la tête, je vous répète, tout cela est impossible! Vous voilà, bonne dame plus. Ma nièce est-elle avec vous? Elle est sous le monseigneur. Venez devant toute quelque part. Maître Bridelle, vous êtes mon ami. Je vous présente la dame Pluche, gouvernante de ma nièce. Ma nièce est parvenue hier, 7 heures de nuit,
couvents de France. Madame Pluche, je vous présente Maître Bridaine, curé de la paroisse. C'est mon ami. Du meilleur couvent de France, Seigneur. Et je puis ajouter, c'est la meilleure chrétienne du couvent. Mais allez, Dame Pluche, réparez le désordre, vous voilà. Ah non, ma nièce ne va pas tarder à venir et revenez à l'heure du dîner. Monsieur, cette vieille demoiselle me paraît tout à fait pleine d'onction. Pleine d'onction et de componction, Maître Bridaine. Sa vertu est inattaquable. Mais j'en ai la certitude. Le gouverneur sent le vent. Maître Bridaine, il y a des moments où je doute de votre amitié. Prenez-vous à tâche de me contredire. J'ai formé le dessein de marier mon fils avec ma nièce. C'est un couple assorti. L'éducation me coûte 6 000 écus. Oui, mais monsieur, il sera nécessaire d'obtenir des dispenses. Je les ai, Bridaine. Elles sont sur ma table, dans mon cabinet. Oh, mon ami, apprenez comme je suis plein de joie. Vous savez, la plus profonde horreur que j'ai eue de tout temps pour la solitude. Cependant, la place que j'occupe et la gravité de mon habit me forcent à rester dans ce château pendant 3 mois d'hiver et 3 mois d'été. Et il est impossible de faire le bonheur des hommes, en général, et de ses vassaux en particulier, sans ne jamais donner à son valet de chambre l'ordre rigoureux de ne laisser entrer personne. Ah, qu'il est austère et difficile le recueillement de l'homme d'État. Et quel plaisir ne trouverais-je pas à tempérer, par la présence de mes 2 enfants réunis, la sombre tristesse à laquelle je dois nécessairement être en proie depuis que le roi m'a nommé receveur. Oui, mais vous avez raison, monsieur, mais ce mariage se fera-t-il ici ou à Paris? Voilà où je vous attendais, Bridaine. J'étais sûr de cette question. Mais que diriez-vous si ces mains que voilà? Mais où ces mains? Ne les regardez pas d'une mine aussi piteuse. Si ces mains étaient destinées à bénir solennellement l'heureuse confirmation de mes rêves les plus chers. Hé! Je me tais. La reconnaissance peut fermer la bouche. Regardez par cette fenêtre. Ne voyez-vous pas que mes gens se portent en foule à la grille? Voilà la combinaison la plus heureuse. J'ai disposé les choses de manière à tout prévoir. Mon fils sera introduit par cette porte à droite et ma nièce par cette porte à gauche. Qu'en dites-vous? Je me fais une fête de savoir comme ils s'aborderont. Ce qu'ils se diront... Similicus n'est pas une bagatelle. Il ne faut pas s'y tromper. Cependant, Bridaine, il me vient une idée. Laquelle, monseigneur? Pendant le dîner, sans avoir l'air d'y toucher, tout en vidant quelques coupes joyeuses, enfin, vous savez le latin, Bridaine? Ita et l'épaule, parbleu, si je le sais. Rosa, rosa, rosam, rosae, rosae. Rosa. Bon. Je serais bien aise de vous voir entreprendre ce garçon. Devant sa cousine. Cela ne peut produire qu'un bon effet. Pas discrètement, en son temps. Hein. Et non pas précisément pendant le dîner, cela deviendrait fastidieux, et quant à moi, je n'y comprends rien. Mais au dessert, entendez-vous? Mais monsieur, si vous n'y comprenez rien, il est probable que votre nièce soit dans le même... Raison de plus, Bridaine! Voulez-vous pas qu'une femme admire ce qu'elle comprend? D'où sortez-vous? Voilà un raisonnement qui fait pitié. Hein. Je connais beau les femmes, mais il me paraît étrange que l'on admire ce que l'on ne comprend point. Moi, je les connais, Bridaine. Je connais ces êtres charmants et indéfinissables. Et soyez persuadés qu'elles aiment avoir de la poudre dans les yeux, et que plus on leur en jette, plus elles les écarquillent afin d'en gober davantage. Bonjour mes enfants, embrassez-moi, et embrassez-vous. Bonjour mon père, ma cousine bien-aimée, quel bonheur, que je suis heureux. Mon père, mon cousin, je vous aime. Comme te voilà grande, Camille, et belle comme le jour. Quand tu quittais Paris, Perdicant? Mercredi, je crois, ou mardi. Comme te voilà métamorphosée en femme. Je suis donc un homme, moi. Il me semble que c'est hier que je l'ai vue pour la dernière fois, pas plus haute que cela. Vous devez être fatigué. La route est longue, il fait chaud. Non. Regardez donc, mon père, comme Camille est jolie. Allô, Camille. Embrasse ton cousin. Allô, Camille, un perdicant vaut un baiser. Embrasse-la. Si ma cousine se détourne quand je lui tends la main, je vous dirai donc, excusez-moi, l'amour peut voler un baiser, mais non pas l'amitié. L'amour ni l'amitié ne doivent recevoir ce qu'ils ne peuvent rendre. Elle a un commencement de fort mauvaise augure. Trop de mariage est sans doute un problème, mais le mariage les veut bien des scrupules. Non, excusez-moi, je me perds. Trop de pudeur est sans doute un scrupule, mais le mariage les veut bien... Oh, enfin. Trop de pudeur est sans doute un défaut. Trop de pudeur est sans doute un défaut, monsieur, vous le comprenez bien, mais le mariage les veut bien des scrupules. Je suis choqué. Laissez pour cette réponse. Ah non, cette réponse m'a déplu, là. Venez ici que je vous...
cela m'est pénible au dernier point. Ce moment qui me devait m'être si doux est complètement gâté. Ah non, mais diable, voilà qui est fort mauvais. Monsieur, monsieur, allez donc leur parler, les voilà qui se tournent le dos. Que faites-vous, mes enfants? Que fais-tu là, Camille, devant cette tapisserie? Oh, comme voilà un beau portrait, mon oncle. N'est-ce pas une grande pantalon? Oui, c'est ta bisaïeule. Ou du moins la sœur de ton bisaïeul. Car la pauvre dame n'a jamais contribué, hélas, qu'en prière à l'accroissement de la famille. C'était ma foi une sainte femme. Oh oui, une sainte! Comme ce costume de religieuse du peuple. Que fais-tu là, père Guiton, devant ce pot de fleurs? Voilà une fleur charmante, mon père, que c'est un héliotrope. Oh, te moques-tu? Elle est grosse comme une mouche. Cette petite fleur grosse comme une mouche a bien son prix. Sans doute. Sans doute, le docteur a raison. Demandez-lui donc à quel sexe, à quelle classe elle appartient. Il vous ravira en extase en vous détaillant les moindres phénomènes de ce grand herbe, de la racine jusqu'à la fleur. Je n'en sais pas si long, mon révérend. Je dis juste, oh, elles sont beaux, voilà tout. Plusieurs choses me divertissent et excitent ma curiosité. Venez, mes amis, et asseyons-nous sous ce noyer. De formidables dîners sont en ce moment en présence au château. Maître Briden et Maître Glacius. N'avez-vous pas fait une remarque? C'est que, lorsque deux hommes, à peu près pareils, également gros, également sots, ayant les mêmes vices et les mêmes passions, viennent par hasard à se rencontrer, il faut nécessairement qu'ils s'adorent ou qu'ils s'exècrent. Par la raison que les contraires s'attirent, qu'un homme grand et desséché aimera un homme petit et rond, que les blonds recherchent les bruns et réciproquement, je prévois une lutte secrète entre le gouverneur et le curé. Tous deux sont armés d'une égale impudence, tous deux ont pour ventre un tonneau. Non seulement ils sont gourmands, mais ils sont gourmets. Tous deux se disputeront à dîner, non seulement la quantité, mais la qualité. Et si le poisson est trop petit, comment faire? Une langue de carpe ne peut être partagée, et une carpe ne peut avoir de langue. Item, ils sont aussi bavards l'un que l'autre, mais à la rigueur, ils pourraient parler ensemble sans s'écouter. Mais déjà, Maître Briden a voulu adresser au jeune Verdican quelques questions pédantes. Et le gouverneur a froncé le sourcil. Cela lui est désagréable qu'un autre que lui veuille mettre son élève à l'épreuve. Item, sont aussi bêtes l'un que l'autre. Item, tous deux sont prêts. L'un se targuera de sa cure, l'autre se rengorgera de sa charge de gouverneur. L'un confesse le fils, l'autre le père. Déjà, je les vois attablés à la table du dîner, les joues en feu, les yeux à fleur de tête, secoués plein de haine leur triple menton. Ils se regardent de la tête aux pieds, ils préludent par de légères escarmouches. Bientôt la guerre se déclare, les cuistreries de toutes espèces se croisent et s'échangent. Entre les deux ivrognes s'agite Dame Pluche, qui tente de les repousser de ses coudes affilés. Maintenant que voilà le dîner fini, c'est la compagnie qui sort. Retirons-nous à l'écart. Fédérable Pluche, je suis peiné. Est-il possible, monseigneur? Mais oui, Pluche, cela est possible. J'avais compté, j'avais noté, j'avais écrit sur mes tablettes de poche que ce jour devait être le plus agréable de mes jours. Eh oui, bonne dame, le plus agréable. Vous n'ignorez pas que mon dessein était de marier mon fils avec ma nièce. C'était un couple assorti. Je n'avais même parlé à Briden. Et je crois voir que ces deux enfants se parlent froidement. Ils ne se sont pas dit un mot. Les voilà qui viennent, monseigneur. Sont-ils prévenus de vos projets? Je leur en ai touché quelques mots en particulier, mais je pense qu'il serait bon, puisque les voilà tous deux réunis, de s'abriter sous cet ombrage propice et de les laisser seuls un instant. Thank you.
cela n'a rien de beau, Camille, de m'avoir refusé un baiser. Je suis comme cela, c'est ma manière. Veux-tu mon bras pour aller faire un tour dans le village? Non, je te souviens-tu de nos parties sur le bateau? Cela ne te ferait-il pas plaisir de revoir la prairie? Viens, viens, nous irons jusqu'au moulin. Je prendrai les rames et toi le gouvernail. Je n'en ai nulle envie. Tu me fends l'âme. Quoi? Camille, pas un souvenir. Pas un seul battement de cœur pour tout ce bon temps passé. Si bon, si doux, si plein de niaiseries délicieuses. Tu ne peux pas aller voir le chemin par lequel nous passions à la ferme? Non, pas ce soir. Pas ce soir. Et quand donc? Toute notre vie est là. Mais je ne suis ni assez jeune pour m'amuser avec vous, ni assez vieille pour aimer le passé. Comment dis-tu cela? Je dis que les souvenirs d'enfance ne sont pas de mon goût. Cela t'ennuie? Mais oui, cela m'ennuie. Pauvre enfant. Je te plains, sincèrement. Vous le voyez? Vous l'entendez, excellent de pluche? Je m'attendais à la plus suave harmonie, et il me semble assister à un concert où le violon joue « Mon cœur soupire », pendant que la flûte joue « Vu mon récord ». Affreux! Et de pareilles combinaisons produirait. Hein? Vu mon récord! Vu mon récord! C'est pourtant ce qui se passe dans mon cœur! Je l'avoue, il est impossible de blâmer Camille. Et rien n'est de plus mauvais ton, à mon sens, que les parties de bâton. Mais vous, sérieusement? Seigneur, une jeune fille qui se respecte ne se hasarde pas sur les pièces d'eau. Observez donc, la bûche, que son cousin doit l'épouser et que dès lors... Les convenances dépendent de tenir en ferme. Et il est mal séant de quitter la terre ferme seul avec un jeune homme. Mais je vous dis que... Seigneur, ne me... Mais vous folle! Non, mais en vérité, vous me feriez dire... Ah, mais il y a des mots que je ne veux pas. Il y a des expressions qui me répugnent. Mais, même si je me retenais, mais... Mais c'est une pécore, pluche! Je ne sais que penser de vous! Bonjour, ami. Me reconnaissez-vous? Seigneur, vous ressemblez à un enfant que nous avons beaucoup aimé. N'est-ce pas vous? N'est-ce pas vous qui m'avez fait danser sur vos genoux, enfant? N'est-ce pas vous qui m'avez porté sur vos épaules pour passer les ruisseaux de vos prairies? Vous qui vous êtes serré quelquefois autour de vos tables pour me laisser une place au souper de la ferme? Nous nous en souvenons, monseigneur. Vous étiez bien le plus mauvais garnement et le meilleur garçon sur la terre. Mais pourquoi ne m'embrassez-vous pas au lieu de me saluer comme un étranger? Que Dieu te bénisse, enfant de nos entrailles. Chacun de nous voudrait te serrer dans nos bras. Mais nous sommes vieux, monseigneur, et vous êtes un homme. Oui, et en un jour tout change sous le soleil. Je me suis élevé de quelques pieds vers le ciel, et vous vous êtes courbé de quelques pouces vers le tombeau. Vos pas sont devenus plus lents, vos têtes ont blanchi, vous ne pouvez plus soulever de terre votre enfant d'autrefois. Et c'est donc à moi d'être votre père, à vous qui avez été les miens. Votre retour est un jour plus heureux que votre naissance. Il est plus doux de retrouver ce qu'on aime que d'embrasser un nouveau-né. Voilà donc, ma chère vallée, mes petits ruisseaux, ma petite prairie. Voilà le monde mystérieux des rêves de mon enfance. Oh, patrie. Patrie. Mot incompréhensible. L'homme n'y est-il donc né que pour un coin de terre, pour y bâtir son nid et pour y vivre un jour? Il nous a dit que vous êtes un savant, monseigneur. Oui, on me l'a dit aussi. Les sciences sont une belle chose, mes enfants. Ces arbres et ces prairies enseignent à haute voix la plus belle de toutes, l'oubli de ce qu'on sait. Il s'est fait plus d'un changement pendant votre absence. Il y a des filles mariées et des garçons partis pour l'armée. Oui, en vérité, vous me contrez tout cela. Je m'attends bien à du nouveau, mais je m'en veux pas tout de suite. Comme cela voit mes petits. Autrefois, il me paraissait immense. J'avais emporté dans ma tête un océan et des forêts. Je reviens pour ne retrouver que des gouttes d'eau et des brins d'herbe. Quelle est donc cette jeune fille qui chante à sa croisée derrière ces arbres? C'est Rosette, monseigneur, la sœur de l'aigle, votre cousine Camille. Descends donc, Rosette, fais bien ici! Oui, monseigneur. Tu me voyais depuis ta fenêtre et tu ne m'entendais pas, vilaine fille. Donne-moi cette main-là, que je l'embrasse et cette joue-là aussi. Oui, monseigneur. Es-tu mariée, petite? On m'a dit que tu l'étais. Oh non! Comment est-ce possible?
Il n'y a pas ce village de plus jolie petite fille que toi. Nous te marierons, mon enfant. Merci, Monseigneur. Ta sœur Camille est arrivée, l'as-tu vue? Non, elle n'est pas encore venue par ici. Va t'en mettre ta robe neuve et viens souper avec nous. Pas puisqu'un autre, je ne veux pas me marier. Il n'y a rien là dans votre orgueil, vous.
L'orgueil n'est pas mon fait, je n'en estime ni les joies ni les peines. Je me retourne demain au couvent, je suis ici pour recueillir le bien de ma mère. Il y a de la franchise dans ta démarche. Touche-la et soyons bons amis. Je n'aime pas les attouchements. Donne-moi ta main, je t'en prie. Que crains-tu de moi? Tu ne veux pas qu'on nous marie? Eh bien, ne nous marions pas. Ne sommes-nous pas le frère et la sœur? Lorsque ta mère a ordonné ce mariage dans son testament, elle a voulu que notre amitié fût éternelle. Voilà tout ce qu'elle a voulu. Voilà ta main. Et voilà la mienne. Et pour qu'elle reste unie jusqu'au dernier soupir, crois-tu qu'il nous faille un prêtre? Je suis bien à ce que mon refus vous soit indifférent. Il ne m'est point indifférent, Camille. Ton amour lui donnait la vie, mais ton amitié m'en consolera. Ne quitte pas le château aujourd'hui. Ne va pas me faire accroire que toute cette vie passée est morte à jamais dans ton cœur. Je suis obligée de partir. Pourquoi cela? C'est mon secret. En aimes-tu un autre que moi? Non. Mais je suis obligée de partir. Irrévocablement? Oui, irrévocablement. Eh bien, adieu. J'aurais bien voulu m'asseoir avec toi une heure ou une heure et demie sous les marronniers du petit bois. Mais puisque cela te déplaît, adieu, mon enfant.
De tout ce qui peut passer sur ces deux lèvres célestes sans leur ôter le sourire que je respecte plus que ma vie. Vous dites respecter mon sourire, mais vous respectez bien mes lèvres, à ce qu'il me semble. Regardez, voilà une goutte de pluie qui me tombe sur la main et cependant le ciel est pur. Pardonne-moi. Mais que vous ai-je donc fait pour que vous pleuriez? Cette lettre. Voilà précisément le hic, monsieur.
À qui était adressée cette lettre? Un homme qui fait la cour aux filles du village, à des gardeuses de dindon. Or, un homme qui fait la cour à des filles du village, à des gardeuses de dindon, peut être soupçonné violemment d'être né pour les garder lui-même. Cependant, votre nièce, avec l'éducation qu'elle a reçue, ne peut être prise un tel homme. Voilà ce que je dis. Et qui fait que je ne comprends rien non plus que oh ciel! Ma nièce m'a déclaré ce matin qu'elle refusait son cousin Perdicant. Mais aimerait-elle la gardeuse de dindon? En passant dans mon cabinet, j'ai éprouvé depuis hier des secousses si violentes que je ne puis rassembler mes idées. Rendez-vous à midi à la petite fontaine. Que veut dire cela? Tant de froideur, un refus si orgueilleux, si pressant, un orgueil si insensible, et un rendez-vous par-dessus tout. Si c'est pour me parler d'amour, pourquoi avoir choisi un pareil endroit? Est-ce une coquetterie? Cela est singulier. Tout à l'heure, en me promenant dans les broussailles, j'ai entendu remuer et il m'a semblé que c'était un pas de biche. Est-il ici quelqu'un? Bonjour, mon cousin. Il m'a semblé, à tort ou à raison, que vous me quittiez tristement ce matin. Vous m'avez prise la main de force. Je suis venue vous demander la vôtre. Je vous ai refusé un baiser, voilà. Mais vous m'avez dit que vous serez bien l'aise, que nous nous asseyions au moment que nous causions. Et bien, asseyons-nous. Causons. Ah ben, j'ai fait un rêve. Ou en fais-je un autre en ce moment? Vous avez été surpris de recevoir un billet de moi, n'est-ce pas? Je suis d'humeur changeante. Mais vous m'avez dit ce matin un mot très juste. Puisque nous nous quittons, quittons-nous bons amis. Vous ne savez pas la raison pour laquelle je parle. Et je suis venue vous la dire. Je vais prendre le voile. Est-il possible? Est-il possible? Est-ce toi, Camille, que je vois à côté de cette fontaine, assise sur les marguerites, comme au jour d'autrefois? Oui, c'est moi, Perdicant. Je suis venue revivre un quart d'heure de la vie passée. Je vous ai paru brusque et hautaine. Cela est tout naturel. J'ai renoncé au monde. Mais avant de le quitter, je serais bien aise d'avoir votre avis là-dessus. Trouvez-vous que j'ai raison de me faire religieuse? Ne m'interrogez pas là-dessus, car je ne me ferai jamais moi. Depuis 10 ans que nous avons vécu éloignés l'un de l'autre, vous avez dû commencer l'expérience de la vie. Je sais quel homme vous êtes. Et vous avez dû apprendre beaucoup en peu de temps avec un cœur et un esprit tel que les vôtres. Dites-moi, avez-vous eu des maîtresses? Pourquoi cela? Répondez-moi, je vous prie, sans modestie et sans faculté. J'en ai. Les avez-vous aimées? De tout mon cœur. Où sont-elles maintenant, le savez-vous? Voilà en vérité des questions singulières. Que voulez-vous que je vous dise? Je ne suis ni leur mari, ni leur frère. Elles sont allées au bon leur assemblée. Il doit cependant bien y en avoir une que vous ayez aimée plus que les autres. Combien de temps avez-vous aimé celle que vous avez aimée le mieux? Tu es une drôle de fille. Peux-tu te faire mon confesseur? Une grâce que je vous demande de me répondre sincèrement. Vous n'êtes pas un libertin. Je crois que votre cœur a de la probité. Vous avez dû inspirer l'amour, car vous le méritez. Et vous ne vous seriez point livré à un caprice. Répondez-moi, je vous prie. Ma foi, je ne m'en souviens pas. Connaissez-vous un homme qui n'est né qu'une femme? Il y en a certainement. Le connaissez-vous? Est-ce un de vos amis? Dites-moi son nom. Je n'ai pas de nom à vous dire, mais je crois simplement qu'il y a des hommes capables de n'aimer qu'une fois. Connais-tu combien de fois, alors, un autre homme peut-il aimer? Tu me fais réciter une litanie ou récites-tu toi-même un catéchisme? C'est que je voudrais m'instruire et savoir si j'ai tort ou raison de me faire religieuse. Si je vous épousais, ne devriez-vous pas mettre votre cœur à nu et répondre sincèrement à toutes mes questions? Je vous estime beaucoup. Et je vous crois, par votre éducation et votre nature supérieure à beaucoup d'autres hommes. Je suis fâchée que vous ne vous souveniez pas de ce que je vous demande. Et peut-être, quand vous connaissant mieux, je m'en hardirai. Vous me tuerez. Parle, je répondrai. Répondez à ma première question. Ai-je raison de rester au couvent? Non. Alors je ferais mieux de vous épouser? Oui. Si le curé de votre paroisse soufflait sur un verre d'eau et vous disait que c'était du vin, le voiriez-vous comme tel? Non.
si le curé de votre paroisse soufflait sur moi et me disait que vous m'aimeriez toute votre vie. Aurais-je raison de le croire? Oui et non. Que me conseillez-vous de faire le jour où vous ne m'aimerez plus? De prendre un amant. Et que ferais-je ensuite le jour où cet amant ne m'aimera plus? Tu en prendras un autre. Combien de temps tout cela durera-t-il? Jusqu'à ce que tes cheveux soient gris. Et alors les miens seront blancs. Mais savez-vous ce que c'est que les cloîtres, Perdicon? Vous êtes-vous déjà assis un jour entier sur le banc d'un monastère de femmes? Oui, oui, je me suis assis. J'ai pour amie une sœur qui n'a que 30 ans et qui a reçu à l'âge de 15 ans 500 000 livres de revenus. Elle était déférée au Parlement et son mari était l'un des hommes les plus distingués de France. Aucune des nobles facultés humaines n'était restée chez elle sans culture et, comme un arbrisseau d'une sève choisie, tous ces bourgeons avaient donné des rêves. Jamais l'amour et le bonheur ne poseront leur couronne sur un front plus beau. Son mari l'a trompée. Elle a aimé un autre homme. Et elle se meurt de désespoir. Cela est possible. Nous habitons la même cellule et j'ai passé 4 ans à écouter ses malheurs. C'est bien qu'ils sont presque devenus les miens. Cela est singulier, n'est-ce pas? Je ne sais trop comment cela se fait. Quand elle me parlait de son mariage, quand elle me peignait d'abord l'ivresse des premiers jours, puis la tranquillité des autres, et enfin comme tout s'était envolé, comme elle s'était assise un jour au coin du feu et lui près de la fenêtre, sans se dire un seul mot, sans s'échanger un regard, comme une figure étrangère était venue peu à peu se placer entre eux et se glisser dans leur souffrance, c'était moi que je voyageais tant qu'elle parlait. Quand elle me disait « là, j'ai été heureuse », mon cœur bondissait et quand elle ajoutait « là, j'ai pleuré, mes larmes coulaient. » Tout cela a duré 4 ans. Il est inutile de vous dire combien de réflexions et de retours sur moi-même tout cela a entraîné. Mais ce que je voulais vous raconter comme quelque chose de plus singulier encore, c'est que tous les récits de Louise et toutes les fictions de mes rêves portaient votre ressemblance. Ma ressemblance à moi. Oui, et cela est naturel. Vous étiez le seul homme que j'ai connu. En vérité, je vous ai aimé d'être. Quel âge as-tu, Kelly? 18 ans. Continue, j'écoute. Il y a 200 femmes sur la tour de la serre. Certaines parmi elles ne connaîtront jamais la vie. Et tout le reste attend la mort. Plus d'une sont sorties du couvent comme j'en sors aujourd'hui. Vierges et pleines d'espérance, et toutes sont revenues peu après, vieilles et désolées. Tous les jours, il en meurt dans le dortoir. Et tous les jours, il en vient de nouvelles entre la place des morts sur les matins du camp. Les étrangers qui nous visitent admirent l'ordre et le calme de la maison. Ils observent attentivement la blancheur de nos voiles, mais ils se demandent pourquoi nous les rabaissons sur nos yeux. Que pensez-vous de ces femmes, Perdicon? Ont-elles tort? Ont-elles raison? Je n'en sais rien. J'en ai trouvé quelques-unes qui m'ont conseillé de rester vierge. Je suis bien aise de vous consulter là-dessus. Pensez-vous que ces femmes auraient mieux fait de prendre un amant et de me conseiller d'en faire autant? Je n'en sais rien. Vous aviez promis de me répondre. Oui, mais j'en suis dispensée tout naturellement. Je ne crois pas que ce soit toi qui parle. Cela se peut. Il se peut qu'on m'ait fait la leçon, que je ne sois qu'un perroquet mal appris, que je récite des litanies. Il y a dans ma galerie un petit tableau qui représente un moine courbé sur un missel. À travers les barres de sa cellule, glisse un faible rayon de soleil, à travers lequel on aperçoit une locanda italienne devant laquelle danse un chevelier. Lequel de ces deux hommes admirez-vous le plus, Vatican? Ni l'un ni l'autre. Et tous les deux. Ce sont deux hommes de chair et d'os. Il y en a un qui rit. Et un autre qui danse, je n'y vois pas d'autre chose. Tu as raison de te faire religieuse. Vous disiez non tout à l'heure. Je te disais non, cela est possible. Ainsi vous me le conseillez? Ainsi tu ne crois à rien. Lève la tête, Perdicon. Quel est l'homme qui ne croit à rien? Voilà. Je ne crois pas à la vie immortelle. Ma sœur chérie, les religieuses t'ont donné toute leur expérience. Mais crois-moi, ce n'est pas la tienne. Tu ne mourras pas sans aimer. Mais je veux aimer.
et je veux aimer d'un amour éternel et faire des serments qui ne se violent pas. Voilà mon amant. Cet amour-là n'exclut pas les autres. Et pour moi, il les exclura, du moins. Vous n'allez pas faire du temps. Il y a 10 ans que nous sommes venus. Il est donc 10 ans, peut-être, nous nous reverrons et alors nous en reparlerons. J'ai voulu ne pas rester dans votre mémoire comme une proie de statue, car l'insensibilité mène au point où j'en suis. Écoutez-moi, retournez à l'aide. Et tant que vous aimerez, comme on peut aimer sur cette terre, oubliez votre sœur Camille. Mais s'il vous arrive un jour d'oublier ou d'être oublié vous-même, que l'ange de l'espérance vous abandonne et que vous vous retrouvez seul avec le vide dans le cœur, alors pensez à moi qui prierai pour vous. Tu es une orgueilleuse, prends garde à toi. Pourquoi? Tu as 18 ans et tu ne crois pas à l'amour. Mais y croyez-vous, vous qui parlez? Vous voilà courbé près de moi avec vos genoux qui se sont usés sur les tapis de vos maîtresses et vous n'en savez plus le nom. Vous avez pleuré des larmes de joie et des larmes de désespoir, mais vous saviez que l'eau des sources était plus constante que vos larmes et qu'elle serait toujours là quand la vue de vos paupières gonflées. Vous faites votre métier de jeune homme et vous riez quand on vous parle de femme désolée. Vous ne croyez pas qu'on puisse mourir d'amour, vous qui avez aimé et qui vivez. Mais qu'est-ce donc que le monde de cordialement mépriser les femmes qui vous prennent telle que vous êtes et qui chassent de leur lit leur dernier amant pour vous attirer dans leurs bras avec les baisers d'un autre sur les lèvres. Quand je vous ai demandé tout à l'heure si vous aviez aimé, vous m'avez répondu comme un voyageur à qui l'on demande s'il a été en Italie ou en Allemagne et qui répondrait oui, j'y ai été, et qui penserait ensuite à aller en Suisse ou dans n'importe quel autre pays de l'Union. Mais est-ce donc une monnaie que votre amour, pour qu'il puisse ainsi passer de main en main jusqu'à la mort? Non, et la moindre pièce d'or vaut mieux que vous, car dans quelques mains qu'elle passe, elle garde son vie. Mais tu es belle, Camille, lorsque tes yeux s'allument. Oui, je suis belle et je le sais. Les complimenteurs ne m'apprendront pas. La froide meuf qui coupera mes cheveux pâlira peut-être de sa mutilation, mais ils ne se changeront pas en chaîne et en balle pour revenir les boudoirs. Je ne veux qu'un coup de ciseau. Et lorsque le père y passera, lorsque le prêtre qui me bénira me mettra au doigt l'anneau d'or de mon amant céleste, la mèche de cheveux que je lui donnerai pourra lui servir de manteau. Tu es en colère, en vérité. J'ai eu tort de parler. J'ai ma vie entière sur les lèvres. Ne rayez pas, perdu quoi. Tout cela est triste à mourir. Pauvre enfant. Je te laisse dire. Je voudrais bien te répondre un mot. Tu me parles d'une religieuse qui me paraît avoir eu sur toi une influence funeste. Tu me dis qu'elle a été trompée, qu'elle a trompé elle-même, et qu'elle est désespérée. Es-tu sûr que si son mari ou son amant, un habitant de la main, à travers les grilles du parloir, elle ne lui tendrait pas la sienne? Comment? Il me semble que j'ai mal entendu. Es-tu sûr que si son mari ou son amant venait lui tendre la main et lui dire de souffrir encore, elle répondrait non? Je le crois. Il y a 200 femmes dans ton monastère, et la plupart ont au fond du cœur des blessures profondes. Elles te les ont fait toucher. Et elles ont coloré ta pensée virginale des gouttes de leur sang. Elles ont vécu, n'est-ce pas? Et elles t'ont montré avec horreur la route de leur vie. Tu t'es signé devant leurs cicatrices, comme devant les plaies de Jésus, et tu te sers avec une crainte religieuse contre leur corps décharné lorsque tu vois passer un homme. Es-tu sûr que si l'homme qui passe était leur mari ou leur amant, c'est celui qui les a trompés, celui pour qui elles pleurent et elles souffrent, celui qu'elles maudissent en priant Dieu? Je suis sûr qu'en les voyant, elles ne briseraient pas leur chaîne pour courir à leur malheur passé et presser leur poitrine sanglante contre ce poignard qui les attend meurtrés. Oh mon enfant, sais-tu les rêves de ces femmes qui te disent de ne pas rêver? Sais-tu quel nom elles murmurent lorsque les sanglots qui sortent de leurs lèvres font trembler l'hostie qu'on leur présente? Elles qui s'assoient près de toi avec leur tête branlante pour verser dans ton oreille la vieillesse de leur désespoir, elles qui font retentir dans les ruines de ta jeunesse leur vieillesse flétrie, et qui font sentir à ton sang vermeil la fraîcheur de leur tombe. Sais-tu qui elles sont? Vous me faites peur? La colère vous prend aussi. Sais-tu ce que c'est que les nonnes, misérable fille? Elles, qui te montrent l'amour des hommes comme un mensonge, ça fait qu'il y a pire encore, le mensonge de l'amour divin. Et ne se doutent-elles pas que c'est un crime que de venir chuchoter à une vierge des paroles de femme? M'étant fait la leçon, comme je m'étais douté de tout cela lorsque tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois,
Si cette pauvre petite fontaine nous regarde tout en larmes, mais ton cœur a battu. Il a oublié sa leçon, lui qui ne savait pas lire. Et tu es revenu sur l'herbe, nous voilà. Eh bien, Camille, il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour toi. Ni pour moi, n'est-ce pas? Adieu, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Ce monde n'est qu'un égout sans fond, où les forges les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de forges. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert, souvent. Je me suis trompé, quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice, créé par mon orgueil et mon ennui. Mais indépendamment de votre ivrognerie, vous êtes un pilitre, maître Blasius. Mes valets vous voient entrer furtivement dans l'office et que vous êtes convaincu d'avoir volé mes bouteilles de vin de la manière la plus pitoyable qui soit, vous croyez vous justifier en accusant ma nièce d'une correspondance secrète. Mais monseigneur, veuillez vous rappeler... Sortez, monsieur l'abbé. Ne reparaissez jamais devant moi. Il est déraisonné d'agir comme vous faites. Et ma gravité m'oblige à ne vous pardonner de ma vie. Un Lacoste pauvre.
Que font-ils maintenant? Hélas, voilà midi. Ils sont à table. Que mangent-ils? Que ne mangent-ils pas? J'ai vu la cuisinière traverser le village avec un énorme dindon. Son maître portait des truffes et un panier de raisins. Oh, disgrâce imprévue. Le voilà chassé du château. Par conséquent, de l'œuf, ça change. On est plus marié au fils. Je ne chanterai plus au feu de la noble cheminée. Mon ventre copieux. Pourquoi ai-je rapporté au baron tout ce que j'ai vu? Pourquoi ai-je rapporté le dialogue de Dame Pluche et de la nièce? Pourquoi un vent orgueil m'a-t-il éloigné d'un dîner où j'étais si bien accueilli? Que m'importait d'être à droite ou à gauche? Hélas! J'étais gris, autant provenir lorsque j'ai fait cette folie. Hélas! Le vin m'avait monté à la tête quand j'ai commis cette imprudence. Il me semble que voilà le curé. Mais c'est le gouverneur en personne. Oh, monsieur le curé! Que faites-vous ici? Moi, je vais dîner. N'y venez-vous pas? Pas aujourd'hui, hélas. Intercédez pour moi, maître Briden. Le baron m'a chassé. J'ai accusé faussement mademoiselle Camille d'avoir une correspondance. Et cependant, Dieu, mes témoins que j'ai vus ou que j'ai cru voir, même plus dans la lusine, je suis perdu. Que me prenez-vous là? Hélas, hélas, la vérité. Je suis en disgrâce complète pour avoir volé une bouteille de vin. Que me parlez-vous d'une bouteille de vin à propos d'une luzerne et d'une correspondance? Je vous supplie de plaider ma cause, Seigneur Briden. Je suis honnête, Seigneur Briden. Je suis votre serviteur. Ô fortune, est-ce un rêve? Je vais enfin m'asseoir sur toi. Oh, chaise bienheureuse. Reconnaissant de pouvoir bien m'écouter, brave Seigneur, cher curé. Cela m'est impossible, monsieur. Comme vous le voyez, il est midi sonné. Et je m'en vais dîner. Si le gouverneur se plaint de vous, c'est votre affaire. Je n'intercède point pour un ivrogne. Vite, volons à la grille. Et toi, mon ventre, arrondis-toi. Misérable Pluche, c'est toi qui paieras pour tous. Oui, c'est toi qui es la cause de ma ruine. Femme des villes entre les deux. C'est à toi que je dois cette disgrâce. Oh, Sainte Université de Paris, on me traite d'ivrogne. Et je suis perdu si je ne saisis une lettre, si je ne prouve au baron que sa nièce a une correspondance. Je l'ai vu ce matin écrire à son bureau patient. Et
Quelle maudite curiosité me saisit malgré moi. Que ce soit un crime d'ouvrir une lettre, je le sais trop bien pour le faire. Quel empire a donc pu prendre sur moi cette singulière fille, au point que les trois mots écrits sur cette adresse fassent trembler ma main. Cela est singulier. Blasius, en se débattant avec Dame Pluche, a fait sauter le cachet. Est-ce un crime de rompre le pli? Bon, je n'y changerai rien. Je pars aujourd'hui, ma chère, et tout est arrivé comme je l'avais prévu. C'est une terrible chose, mais le pauvre jeune homme a le poignard dans le cœur, il ne se consolera pas de m'avoir perdu. Cependant, j'ai fait tout au monde pour le dégoûter de moi. Dieu me pardonnera de l'avoir réduit au désespoir par mon refus. Hélas, ma chère, que pouvais-je y faire? Priez pour moi, nous nous reverrons demain et pour toujours, tout à vous du meilleur de mon âme, Camille. Est-il possible? Camille écrit cela. C'est de moi qu'elle parle ainsi, moi, au désespoir de son refus. Et mon Dieu, si cela était vrai, on le verrait bien. Quelle honte peut-il y avoir à aimer? Elle a fait tout au monde pour me dégoûter, et j'ai le poignard dans le cœur, dit-elle. Quel intérêt peut-elle avoir à raconter des mensonges pareils? Oh femme, cette pensée que j'avais cette nuit est-elle donc vraie? Cette pauvre Camille est peut-être d'une grande piété, c'est de bon cœur qu'elle se donne à Dieu. Mais elle a résolu et décrété qu'elle me laisserait au désespoir. Cela est si beau, cela était convenu entre les bonnes amies. Avant de partir du couvent, Camille allait en revenir. On a dit qu'il voudrait faire épouser son cousin Perdicant. Camille refuserait et son cousin Perdicant serait au désespoir. Non. Cela est si beau. Une jeune fille qui fait à Dieu le sacrifice du bonheur d'un cousin. Non, Camille, non. Je ne suis pas au désespoir, je n'ai pas le poignard dans le cœur. Et je te le prouverai, oui. Tu sauras avant que de partir d'ici que j'en aime une autre que toi. Voilà. Brave homme. Rendez-vous à la cuisine. Dites à mademoiselle Camille qu'elle envoie un fameux pour lui porter le billet que voici. Monseigneur. Et maintenant à l'autre. Ah, je suis au désespoir. Hola, Rosette. C'est vous, monseigneur. Entrez, ma mère Mia. Mets ton plus beau châle, petite, et viens avec moi. Donc demande la permission à ta mère, je te le dirai. Viens avec moi, rapidement. Oui, monseigneur. J'ai demandé un rendez-vous à Camille. Je suis sûr qu'elle y viendra, mais par le ciel, elle n'y trouvera pas ce qu'elle compte y trouver. Je veux faire la cour à Rosette devant Camille elle-même. Je m'en vais, n'est-ce pas? Oui, si tu veux. Je m'en vais. Le seigneur Perdicant me demande de venir lui dire adieu. Près de la petite fontaine, je lui ai donné rendez-vous hier. Cela est singulier. Que peut-il donc avoir à me dire? Mais voilà justement la fontaine. Et je suis toute portée. Mais que veut dire cela? Et voilà Perdicant avec Rosette, ma sœur de lait. Je suppose qu'il l'amène ici pour la goûter. Je suis bien aise d'avoir pas l'air d'arriver la première, mais qu'est-ce que cela? Il la garde à son bras? Viendrait-il ici pour y venir causer avec une autre? Je suis bien curieuse de savoir ce qu'il lui dira. Je t'aime, Rosette. Toi seulement tu te souviens de ces beaux jours passés. Toi seul tu te rappelles cette vie qui n'est plus. Prends ta part de ma vie nouvelle. Voilà, mon enfant, le gage de mon amour. Vous me donnez votre chaîne en argent?
Elle est à côté de cette fontaine. Nous vois-tu tous les deux, adossés l'un à l'autre, dans la source. Vois-tu tes beaux yeux près des miens, ta main près de la mienne. Regarde maintenant tout cela s'effacer. Regarde comme notre reflet a disparu. Le voilà qui revient, peu à peu. L'eau qui s'était troublée reprend son équilibre. De grands cercles noirs se forment à sa surface. Oh, par la grâce du soleil, par le ciel que voilà, Rosette. Rosette, je t'aime. Tu ne vas pas te faire religieuse, n'est-ce pas? Tu n'as pas ton sang affadi par les ruines d'un sang religieuse. Te voilà jeune et belle, à côté d'un jeune homme. Oh, Rosette, Rosette, sais-tu ce que c'est que l'amour? Monsieur le docteur, je vous aimerai comme je pourrai. Oui, 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 comme tu pourras. Et tu m'aimeras mieux, tout docteur que je suis, et toute paysanne que tu es, que toutes ces froides statues fabriquées par les nonnes, et qui ont la tête à la place du cœur, qui sortent de l'atmosphère humide de leur cloître, pour répandre dans la vie l'atmosphère humide de leurs cellules. Tu ne sais pas lire, mais tu sais ce que te disent ces arbres et ces prairies, ces tièdes rivières, cette nature splendide de moissons. Tu reconnais parmi eux tous ces milliers de frères, et moi pour l'un d'entre eux. Lève-toi. Lève-toi, viens avec moi. Tu ne comprendrais pas dans un livre le sens des prières que ta mère t'a appris, comme elle les a apprises elle-même de sa mère. Viens avec moi. Viens avec moi, allons partir ensemble, et nous prendrons racine ensemble, dans la sève du monde tout-puissant. Mais il a jeté ma bague à l'eau. Dirais-je un mot en particulier? Je crois
que votre fils fait la cour à une jeune fille du village. Cela est impossible. Si, si, monsieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux, monsieur, vous entendez bien? Il la tenait sous son bras. Il lui parlait à l'oreille. Il lui promettait de l'épouser. Mais cela est monstrueux. Monsieur, c'est vrai pourtant. Il lui a fait un présent considérable. Mais considérable au ciel, on se prend quoi considérable, Briden? Monsieur, monsieur, ne vous énervez pas, monsieur. À en croire la taille et la conséquence avec laquelle il a donné. C'était la chaîne d'argent qu'il avait à son bonnet. Qu'il avait à son bonnet, excusez-moi, je me perds. Oh, passons dans mon cabinet, je ne sais à quoi m'en tenir. Il a pris ma lettre, dites-vous. Oui, il s'est chargé de la mettre à la poste au village. Allez, dis, monseigneur Pardigon, que je l'attends ici. Il a lu ma lettre, cela est certain. Sa scène du bois est une vengeance. Tout comme son amour pour Rosette. Il a voulu me prouver qu'il en aimait une autre et jouer l'indifférent malgré son dépit. Est-ce qu'il m'aimerait par là? Rosette? Rosette, es-tu là? Oui, puis-je entrer? Oui, bon. Rosette, le seigneur Ferdinand te fait-il la cour? Hélas, oui. Crois-tu à ce qu'il t'a dit ce matin dans le petit bois? Dans le petit bois? Où donc? Tu fais innocente. Dans le petit bois, près de la fontaine. Vous m'avez donc vue? Ah non, 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 je ne t'ai pas vue. Gageons qu'il t'a fait de beaux discours. Peut-être t'a-t-il même promis de t'épouser? Comment savez-vous? Peu importe comment je le sais. Crois-tu à cette promesse, vous êtes? Comment n'y croirais-je pas? Je me tromperai donc? Pourquoi faire? Je sais que ta ne t'épousera pas, Rosette. Hélas, je n'en sais rien. Tu l'aimes pour nous. Mais il ne t'épousera pas. Et la preuve, je vais te la donner. Tu n'as qu'à aller derrière cette tapisserie et revenir lorsque je t'appellerai. Moi qui croyais faire un acte de vengeance, ferais-je un acte d'humanité, la pauvre fille, et le cœur pris. Bonjour, cousin. Asseyez-vous. Quelle toilette, Camille. À qui en voulez-vous? À vous, peut-être. Je suis fâchée de n'avoir pu me rendre au rendez-vous que vous m'avez demandé. Vous avez quelque chose à me dire? Voilà, à son avis, un petit mensonge assez gros pour un agneau sans tache. Je l'ai vu derrière un arbre écouter la conversation. Je n'ai rien à vous dire qu'un adieu, Camille. Je croyais que vous partiez. Mais votre cheval est à l'écurie et vous n'avez pas l'air d'être en robe de voyage. J'aime la discussion. Et à vrai dire, je ne suis pas sûre d'avoir pas envie de me quereller encore un peu avec vous. À quoi bon les querelles lorsque l'accommodement est impossible? Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Êtes-vous convaincu que je ne vais pas la paix? Ne raillez pas, je ne suis pas de force à vous répondre. Je ne sais si c'est que j'ai une robe neuve, mais je voudrais qu'on me vienne pour. Vous m'avez promis d'aller au village, je veux bien, allons-y. Mettons-nous en bateau. Je voudrais aller me promener dans l'herbe et dans leur forêt. Fera-t-il clair de lune ce soir? Cela s'ennuie, pardon. J'ai remarqué que vous n'avez plus le droit de la bague que je vous ai donnée. Je l'ai perdue. Ah, vous l'avez perdue? C'est pour cela que je l'ai trouvée perdue. Tenez, la voilà. Est-il possible, Camille? Oh, vous regardez si mes mains sont mouillées, n'est-ce pas? En vérité, j'ai gâté ma robe de couvent pour retirer ce petit hochet d'enfant de la fontaine. C'est pour cela que j'en ai mis une autre et je vous dis. Cela m'a changé. Tu as retiré cette bague de l'eau, Camille, au risque de te précipiter. Est-ce un songe? La voilà.
c'est toi qui veux la maison, toi. Oh, Camille, pourquoi me le rends-tu, ce triste souvenir d'un bonheur qui n'est plus? Parle, coquette et imprudente fille, parle, pourquoi restes-tu? Pourquoi pars-tu? Pourquoi changes-tu d'apparence et de couleur, comme la pierre de cette vague, à chaque rayon du soleil? Connaissez-vous le père des femmes, hein? Êtes-vous sûr de leur inconscience? Savez-vous si elles changent réellement de pensée en changeant quelquefois de langage? Il y en a qui disent que non. Sans doute, une fois souvent jouer un rôle, souvent mentir, vous voyez que je suis franche. Mais savez-vous si tout manque aux une femme lorsque sa langue manque? Avez-vous bien réfléchi à la nature de ce petit être faible et violent, à la rigueur avec laquelle on agit, au principe qu'on lui impose? Et qui sait, si forcé à mentir par le monde, la tête de ce petit être sans cervelle ne peut pas y prendre plaisir et mentir parfois, par folie, par passe-temps, comme elle ment par nécessité? Je n'entends rien à tout cela et je ne mens jamais. Je t'aime, Camille. Voilà tout ce que je sais. Vous dites que vous m'aimez et que vous ne mentez jamais? Jamais. En voilà une pourquoi. Qui dit que cela vous arrive quelquefois? Que répondrez-vous à cet enfant perdu temps? Lorsqu'elle viendra vous demander compte de vos paroles? Si vous ne mentez jamais, comment est-ce que cela se fait qu'elle se soit évanouie en vous entendant dire que vous m'aimez? Je vous laisse avec elle. Tâchez de la faire revenir. Un instant, Camille, écoute-moi. Qu'avez-vous à me dire? Rosette, il faut parler. Je ne vous aime pas, moi. Je ne suis pas allée chercher par pipi cette pauvre enfant pour me sachant hier pour en faire un appât, un jouet. Je ne lui ai pas répété imprudemment des paroles ardentes adressées à une autre. Je n'ai pas faim de jeter au vent le souvenir d'une amitié chérie. Je ne lui ai pas passé ma chaîne en argent autour du cou. Je ne lui ai pas promis que je l'épouserais. Écoute-moi, écoute-moi! N'as-tu pas souri tout à l'heure? Quand je t'ai dit que je n'avais pu aller à la petite fontaine, eh bien oui. Oui, j'y étais, j'ai tout entendu. Mais Dieu m'en est témoin! Je n'aurais pas voulu y avoir parlé comme tu l'as fait. Je voulais te venger de moi, n'est-ce pas? Et me punir d'une lettre écrite à mon couvent? Tu ne comptais pour rien que ton trait empoisonné traverse cet enfant, pourvu qu'il me frappe derrière elle! Je m'étais vantée de t'avoir inspiré quelque amour, de te laisser quelques regrets, et cela t'a blessé dans ton noble orgueil. Eh bien, apprends-le de moi, Perdicant. Quand tu m'aimes, m'entends-tu? Et tu épouseras cette fille, ou tu n'es qu'un lâche. Oui, je l'épouserai. Et tu feras bien. Très bien, et beaucoup mieux quand t'épousant toi-même. Qu'y a-t-il, Camille, qui t'échauffe si fort? Cette pauvre enfant s'est évanouie, nous la ferons bien revenir. Il ne faut pour cela qu'un flacon de vinaigre. Tu as voulu me prouver que j'avais pu mentir une fois dans ma vie. Cela est possible. Et je te trouve hardi de décider à quel instant. Bien, aide-moi à secourir Rosette. Si cela se fait, je deviendrai fou. Loyez-moi tout de suite. Je deviendrai fou et je refuserai mon consentement. Vous devez lui parler et lui faire entendre raison. Cela me jettera dans le désespoir pour tout le carnaval et je ne paraîtrai pas une seule fois à la cour. Jamais on a entendu parler de mariage si disproportionné. Épouser la sœur de lait de sa cousine, mais cela passe toute espèce de borne. Faites-le appeler et dites-lui clairement que ce mariage vous déplaît, croyez-moi. C'est une folie, il ne résistera pas. Je serai vêtue de noir cet hiver. Mais faites-le appeler au nom du ciel. Enfin, s'il l'a dit, il le fera. Et il y a peut-être déjà plus de temps. Je vais m'enfermer pour pas vous donner à ma douleur. Dites-lui, s'il me demande que je me suis enfermé et que je m'abandonne à ma douleur, de le voir épouser une fille sans nom. Réagissez un homme de cœur. En vérité, lorsqu'on en cherche, on est étonné de sa solitude. Père du temps, êtes-vous? Alors, Père du temps, à quand le mariage? Le plus tôt possible. J'ai déjà parlé au curé, au notaire et à tous les paysans. Vous comptez donc réellement épouser Rosette? Assurément. Quand ira votre père? Tout ce qu'il voudra.
C'est une idée que je vous dois, et je m'y tiens. Faut-il vous rappeler les lieux communs les plus rebattus sur sa naissance et sur la mienne? Elle est jeune, et jolie, et elle-même. Qu'elle est de l'esprit ou qu'elle n'en est pas, j'aurais pu trouver pire. On criera et on raillera. Je m'en lave les mains. Oh, mais je trouve qu'il n'y a là rien de risible. Je suis seulement fâchée d'une chose, c'est que l'on dira que vous l'avez fait par l'esprit. Vous êtes fâchée de cela? Oh, que non. Aussi, aussi j'en suis fâchée. Car cela nuit à un jeune homme de céder à un instant de dépit. Soyez en non fâchés, quant à moi, cela m'est bien légal. C'est une fille de rien. Elle sera donc fille de quelque chose lorsqu'elle sera ma femme. Elle vous ennuiera avant même que le notaire ait mis son costume et ses souliers neufs pour venir jusqu'ici. Le cœur voulait voir mon pas de noces, et le soir même de la fête, vous lui ferez couper les mains et les pieds comme dans les contes arabes parce qu'elle sentira le ragoût. Vous verrez que non. C'est mal de faire. Quand une femme est douce et jolie, franche, bonne et belle, je suis capable de me contenter de cela, oui, en vérité, jusqu'à ne pas me soucier de savoir si elle parle latin. C'est fort dommage que l'on ait dépensé autant pour vous l'apprendre, ces 3000 écus de gâchés. Oui, on aurait mieux fait de les donner aux pauvres. C'est vous qui ferez désormais aimer aux pauvres d'esprit. Oui, et nous ouvrirons la porte du royaume des cieux, car il est tard. Combien de temps durera cette plaisanterie? Quelle plaisanterie? Votre mariage avec Rosette. Bien peu de temps, bien peu de temps. Dieu n'a pas fait de l'homme une œuvre de durée. 30 ou 40 ans, tout au plus. Je suis bien l'aise de voir à quoi ressemblera votre masse. Camille, voilà un tour de persiflage qui est hors de propos. Il me plaît trop pour que je le quitte. Je vous quitte donc moi-même, car j'en ai tout à l'heure assez. Allez coucher votre cousine. Oui, j'y vais de ce pas. Bien, donnez-moi le bras, j'y vais. Oh, te voilà, Rosette. Viens que je te mène à mon père. Monseigneur, je viens vous demander une grâce. Tous les gens du village à qui j'ai parlé ce matin m'ont dit que vous aimiez votre cousine et que vous me faisiez la cour pour vous divertir tous deux. On se moque de moi quand je passe et je ne pourrai plus trouver de mari dans le pays après avoir servi de risée à tout le monde. Permettez-moi de vous rendre le collier que vous m'avez donné et de vivre en paix chez ma mère. Tu es une bonne fille, Rosette. Je garde ce collier. Je te le donne. Quant à mon cousin, il prendra le mien. Quant à Marie, ne t'embarrasse pas. Je me charge de t'en trouver un. Oui, en vérité, la chose est aisée. La chose est aisée. Viens donc avec moi, Rosette. Que je te mène à mon père. Mais pourquoi cela est inutile? Oui, cela est vrai. Il serait bon de laisser passer le premier moment de surprise qu'il aurait pu éprouver. Ma foi soit. Viens avec moi. Nous nous rendrons sur la place du village. Parbleu, je trouve fort plaisant que l'on dise que je ne t'aime pas lorsque je t'épouse. Eh bien, nous les ferons bien taire. Se passe-t-il donc en moi? Il l'emmène d'un air bien tranquille. Il me semble que la tête me tourne. Oh là! Dame Pluche! Quelqu'un! Monsieur, trouvez le seigneur Perdigan et dites-lui de me retrouver, s'il vous plaît, ici. Mais qu'est-ce donc que tout cela? Il me semble que Il me semble que mes gens refusent de me soutenir. Qu'est-ce donc, Camille, vous m'avez fait rappeler? Non, non. Vous m'avez fait rappeler, c'était bien parce que vous aviez quelque chose à me dire? Non, non, thank you.
conseiller humain, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà, pâle et effrayée, qui presse sur ses dalles sanglantes son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer. Et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Qui est là? Qui parle sous cette bouteille? Est-ce toi, Perdicant? Insensé que nous sommes. Nous nous aimons. Quels sons avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles? Quelles misérables folies ont passé comme un vent funeste entre nous deux? Lequel de nous deux a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie elle-même est un si pénible rêve. Pourquoi encore vouloir y mêler les nôtres? Oh mon Dieu. Le bonheur est une perle si rare dans cet océan ici-bas. Tu nous l'avais donné, pêcheur céleste. Tu l'avais tiré pour nous, des profondeurs de l'abîme. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous menait l'un à l'autre avec une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que le péché, la vanité et la colère fassent jeter leurs rochers vapants contre cette route sinueuse qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé. Nous nous aimons. Oui, nous nous aimons, Père. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde, il ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle nous ait suivis, sans que je m'en sois aperçu. En rentrant par ce galerie, c'est par là qu'on m'a crié. Je ne sais ce que j'éprouve. Il me semble que mes mains sont couvertes de sang. Hélas, hélas, la pauvre vie nous a sans doute encore épiés. Elle s'est peut-être évanouie. Viens, viens, tâchons de la faire revenir. Non, en vérité, je n'en prenais pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille. Et tâche de la ramener. Ne faites pas de moi un meurtrier, mon Dieu. Je vous en supplie. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés. Et nous avons joué avec la vie. Et avec la mort. Et notre cœur est pur. Ne tuez pas, Rosette. Dieu bon. Dieu juste. Je réparerai ma faute. Je lui trouverai un mari. Elle est jeune. Elle sera riche. Elle sera heureuse. Ne faites pas cela maintenant. Ô Dieu, vous pouvez encore sauver trois de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Elle est morte. Adieu, Perdicant. Thank you.
permis la réalisation du côté technique de cette pièce. J'appelle donc Yanis aux lumières et Guillaume et Margot au rideau. Je reviens maintenant aux instances suprêmes qu'évoquait ma camarade. Nous tenions vraiment à remercier M. Bassini pour nous soutenir dans, le projet, dans les projets théâtraux de ce lycée. M. Bernard, pour nous avoir si, dans de si nombreuses fois permis de répéter dans l'amphithéâtre. Évidemment, à la Maison des lycéens qui nous a permis de financer ce projet. Et puis à toutes les autres personnes qui nous ont aidés, supportés et qui ont toléré que nous montions cette pièce au vocal. On s'attend à ce qu'on dise, écoutez, il n'y aurait pas une pièce. Si je crois qu'il y aurait une pièce, simplement, on serait nus, mal éclairés, sans salle dans laquelle on pourrait jouer, et sans public. On s'attend toujours, il y a le festival de Cannes, à ce qu'on dise, écoutez, je remercie le public et mes parents. On se rend compte, vraiment, on se rend compte qu'il y a quelque chose de magique là, enfin, à être en train de vous remercier vous, parce que c'est une condition, ce spectacle, et qu'au-delà de ce qu'on peut faire, nous, enfin voilà, il y a une condition pour que ça marche, c'est qu'on soit là, nous, c'est que vous soyez là, vous, c'est que... Monsieur Berland, Monsieur Bastianini, la maison des lycéens puisse nous aider. C'est quelque chose qui est remplaçable depuis, on voulait vous remercier de cela, vraiment.